Revenons encore sur cet édito de Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de l'agence Maghreb Arab Press, qui évoque la reconnaissance des États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara. On en parle avec Driss Essaoui, analyste politique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Quelle est d'abord votre réaction à cet éditorial du magazine BAB? C'est un éditorial tout à fait naturel et normal, parce que en fait, les Algériens n'ont jamais raté une occasion pour s'attaquer au Maroc d'une manière ou d'une autre. Il est vrai que la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes a créé, si vous voulez, un précédent que les Algériens n'ont pas pu assimiler. Et il était normal aussi que les Algériens, l'armée algérienne, cherche des conquêtes militaires, cherche des, disons, des moyens pour fondre la partie marocaine. Et ce n'est pas la première fois. Ça se fait au niveau des couloirs des Nations Unies, ça se fait au niveau de l'Union africaine, ça se fait un peu. Heureusement, l'Algérie n'a pas trouvé un moyen efficace pour faire taire le Maroc. Mais le Maroc, vous savez, il a une situation et une position tout à fait légitime. Il n'y a aucune raison pour que les Marocains changent d'attitude par rapport à cela. Et les Algériens ne le comprennent pas, ne veulent pas le comprendre. Ils ont dans leur bouche l'idée que nous défendons une cause juste, nous défendons la souveraineté du peuple sahraoui. Or, ils sont en train de demander l'autodétermination d'un peuple qu'ils ne connaissent même pas. Alors que d'autres posent la question, pourquoi les Algériens, aujourd'hui, qui vivent toutes les difficultés du monde, n'ont pas droit à l'autodétermination et surtout d'acquérir de manière directe et claire leur souveraineté. L'auteur de l'édito parle de manœuvres dépréciatives du régime algérien à l'encontre du Maroc. Que visent-elles ces manœuvres? Quel est l'objectif du pouvoir algérien exactement? L'objectif du pouvoir algérien, vous savez, ce n'est pas seulement l'éditorial de M. Hachimi, il y a d'autres articles, dont un autre sur le 360, qui parlent de toutes ces personnes qui ont été mobilisées par l'armée algérienne pour, attaquer de manière directe la monarchie marocaine, le pouvoir marocain, ce qu'ils appellent le Makhzen. Mais le problème des Algériens, le problème de l'armée algérienne, de l'establishment algérien, c'est qu'ils n'ont pas de sérénité dans leur attitude. Ils n'ont pas, personne ne peut les suivre. Surtout par rapport à cette histoire de souveraineté du Maroc sur les territoires, cette reconnaissance américaine, ils ne peuvent pas changer cette situation. D'autant plus que le Maroc reste attaché à la solution qui se dessine à travers l'égide des Nations Unies, et que les Marocains aujourd'hui prennent acte de ce que le secrétaire général a dit, c'est-à-dire la recherche d'une solution politique mutuellement avantageuse et que toutes les parties puissent justement les accepter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'Algérie aille chercher une autre cause. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont perdu toutes les causes. La seule qui reste aujourd'hui, c'est l'animosité vis-à-vis du Maroc. L'édito cite l'Algérie comme un pays qui s'est toujours affiché comme étant neutre par rapport à la question du Sahara. Est-ce que les réactions de l'Algérie, du pouvoir algérien, peuvent être considérées comme des réactions d'un État qui adopte réellement une position neutre, Driss Essaoui? Vous savez, ce n'est pas seulement, une neutralité. Il n'y a jamais eu de neutralité. Nous avons un pays qui a une agence, de presse, une agence de communication et d'information, qui ne fait que ça à longueur de journée. Il cherche toutes les informations relatives au Maroc, relatives aux provinces sahariennes, pour les véhiculer, mais pas de manière objective, de manière professionnelle. Ils les font véhiculer à travers des prismes qui, eux, considèrent qu'ils sont dans leurs droits, ils sont dans la réalité, et ils défendent justement ce qu'ils considèrent comme étant la neutralité de l'Algérie par rapport à ce dossier.
Or, la neutralité ne peut pas exister dans un dossier comme celui-là, parce que même les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, leur a dit, écoutez, revenez à la raison et prenez vos responsabilités en tant que partie prenante dans cette affaire. Merci beaucoup, André Issaoui, analyste politique. Merci pour votre lecture.